Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Wild Wild Rock. Aujourd'hui on est à Mazeray, deuxième participation pour moi. On se retrouve sur le vélo, à tout de suite. Alors, V2, hein? Allez, on commence V2. Bon, il y a un truc qui est pas normal, je suis devant. Attention à la tête. Putain, c'est à chaque fois cette entrée. Tête. Hey, tiens, lâche mon casque. Pour en tête, redresse la tienne, idiot. Voilà. Oui. Je veux bien, là, mais celle-là, elle est... Ah, costaud. Alors, les amis, on est parti sur la boucle B2. Ils appellent la ludique, donc il est à peu près le même tracé, j'irai voir même sensiblement, plus que même sensiblement, le même tracé que l'année dernière, à la différence que cette année c'est un peu plus sec. Mais c'est toujours un régal, cette petite boucle là. Donc c'est un parcours en trèfle, on a une boucle de 15, donc qui est la ludique, une boucle de 13, la familiale, je crois, et une boucle de 17 qui est la tyrannique. Donc on part à l'année dernière. Où Mazeray était ma deuxième rondeau organisée, et où je roulais avec le 530. Cette année, nous sommes bien sur l'Alma, le H20, mon 29 pouces depuis le mois d'août, et ça change la donne sur pas mal de choses. Voilà, ça c'était la petite.
Putain, j'avais déjà froid aux deux pieds, alors maintenant ils sont trempés. Voilà. J'ai loupé deux petites flèches. Là, c'est que je lève pas la tête. Pourtant, je suis bien réglé là. Top! Non, je suis franchement mieux réglé. Alors, j'ai changé mes grips cette semaine. J'ai mis du Locon parce que mes grips d'origine, à force d'être lavés, tournaient sur le cintre. Donc j'ai décidé de changer, ça faisait longtemps que je voulais passer en Locon. Le truc c'est que les Locon sont plus longs, forcément. Parce que là c'était Locon avec une vague entrée, une vague sortie de serrage. Et du coup, il a fallu que je re-règle tout mon poste de pilotage. Donc je vais profiter pour tester un angle à 45 sur les manettes. De voir si effectivement ça me procurait moins de sensations ou moins de fourmis dans les mains. Ça a l'air d'être le cas, je vous dirais. Donc ça paraît bête, mais c'est assez important. Effectivement, quand on est en descente, on a tendance à vouloir appuyer. Mais s'il faut relever la main pour freiner, ben on casse l'angle du poignet, c'est pas bon. Et en montée, on n'a pas besoin des poignées de frein, donc du coup, on peut orienter sans problème. Allez, fin de la première boucle, 11 km. En à peine une heure. Pas mal. Allez les amis, après la pause ravito, direction la Tyrannique, la B3. Vas-y. Pep. Oh, je suis trop mou, il va falloir que je change de vitesse. Milieu. Tête. Putain, c'est scoot game ici. Gauche. Oh putain. Putain, je regarde le tronc, je suis putain les salauds, ils nous font passer comme ça. Non, non. Pas rien faire, non, j'ai voulu essayer de. Non, t'es, t'es pas possible. Putain, en plus elle se monte celle-là, mais faut pas regarder la branche. Quel con. Ah c'est ça, c'est que la descente là c'était l'apéro, c'est tout. À la clip, salut. Ah. Alors on va manger du D+ par contre. Oh ça va les élèves hein. Ça. Oh ouais non mais là faut changer.
Ils ont dévié. Ah connard, je suis trop mou. Allez, 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 appuie. Appuie, appuie. Je vais pas lâcher. Ah mais je suis trop mou. Je me suis mis trop haut, j'ai été con. Ah non. Ouais, ça va, une idée ça. Allez, vas-y. Ah, je suis un peu vieux, je suis des grosses boulettes. T'as été belle celle-là. Ça m'a flingué de mettre le pied à terre. Prends bien. Attention au trou. On est parti pour la dernière, la B1. Donc de mémoire, c'est une boucle qui est très roulante. Quoique celle-là, je l'ai trouvée pas mal roulante aussi. C'est exactement, ouais. Pardon ? Ouais, c'est qu'ils ont fait les deux dans le même sens. C'est bizarre. Il me semblait pas que l'année dernière, on croisait les marcheurs comme ça. Alors on va rouler doucement pour éviter de shooter quelqu'un. Attention, pardon. Ah, c'est qu'ils ont mis votre retour sur l'allée de la B1 VTT en fait. Ah. Si je comprends bien. Donc vous risquez d'en croiser. Ah, il y en a aussi derrière à pied. Ben, c'est pas grave, on va se faire attention aux uns aux autres. Bonjour, merci. Ah oui, le déhanché, il fait tout quand même, au final. Et là, je viens de me prendre une boucle en descendant, enfin une partie en descendant là. Plutôt pas mal les petits virages avec le coude de hanche. Donc là ouais, les petits drôles, ça serait à revoir ça quand même. Enfin, après ça change rien à l'organisation de votre randonnée qui est super belle, mais c'est vrai que la B1 sur le retour de la marche quand on veut terminer comme ça. Attention, hop, pardon. Ouais, c'est dommage d'avoir mélangé les deux parcours là. Le haut de la B1 est assez joueuse en plus. Yep. Et du coup ça gâche un peu le plaisir de la descente. Mais c'est pas grave. Après nous on part quand là où. Hop là, attention. Okay. Attendez, je vous suis. Vélo, vélo, vélo. Ah, c'est dommage qu'ils aient mélangé les deux. Ça, c'est sûr, hein. Là pour le coup, ouais. Ouais. Je m'en souviens de celle-là. Yeah. Ah oui, c'est là où nous on termine par là et vous terminez par là. Allez. Merci. Ah, on va plus vite dans l'autre sens. Bon courage. Oui.
Bon, c'est vrai que c'est dommage que les parcours se croisent, mais ça se passe toujours dans une bonne ambiance. Donc, c'est plutôt cool. Ah oui, je me rappelle de celle-là. C'est là où tu pries pour pas croiser un marcheur. Hop là. Ah si si, je m'en souviens. Ah, j'ai dû louper une flèche. Ça va. Non, j'ai loupé une flèche. Ah, la flèche est au milieu, putain. Là, il n'y a pas que nous. Elle est au milieu, tout le monde rentre. Oh, te plains pas, ça fait du dénivelé en plus, ça t'entraîne. T'inquiète pas à me suivre, tu sais que je suis aussi bon que toi. Parce que j'ai des droits. C'est un petit peu spécial. S'il fait la même, voilà. C'est déconnecté. C'est bon? Allez, hop. Voilà. Ah, c'est Calard qui fait peur. C'est vrai, c'est ici. Voilà. Tout seul qui ont fait vitesse. Ah oui, on va les jouer dans le. Oui. Oui, on va les jouer là. Oui, on va jouer là. Oui, c'était ici. C'était ici. Ouf, ouf. Ah ouais, je kiffe ce petit terrain là, juste magnifique. Là par contre le saut non, là non plus, c'est là faut arriver avec un risque de vitesse. Ah, là, joli. De vitesse et surtout voilà, pas mettre le pied bien passé avec les pieds à plat pour éviter de taper dans le haut des bosses. Mais oui, c'est vrai que c'est ici sur les petites routes du RPI qu'on passe sur ce petit terrain de motocross. Ouais. Ah si. Je veux dire, putain, j'ai fait le pump track avec le frange bloqué. Allez, appuie, feignant.
Et ben voilà les amis, fin de cette nouvelle édition 2023 de la rando des petits drôles du RPI de Mazeray. Cette année je suis content, j'ai fait les trois boucles, dont la tyrannique, qui effectivement est tyrannique, parce qu'il y a un sacré dénivelé, il y a des sacrées patates, elles font mal, mais elles sont bonnes. Donc je vous donne rendez-vous à très vite. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, un petit like sur les vidéos, un petit commentaire aussi, ça fait monter le référencement. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle rando. Je vais aller ranger le vélo, boire un petit coup. Et on se dit au revoir, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao!